What's going on guys et bienvenue pour le playthrough de l'histoire. On va se concentrer sur l'histoire de Metal Gear Survive. Donc je l'ai déjà fini et ça va me permettre en fait d'expliquer l'histoire. Parce que l'histoire est sympa, elle est peut-être un chouïa difficile à comprendre. Donc je vais pouvoir un peu mieux l'expliquer. Mais en tout cas ce qu'on va faire, vu que c'est une sorte d'open world où c'est qu'il y a beaucoup de craft, beaucoup de ressources à récupérer, beaucoup de choses à faire en fait. Donc du coup, moi je vais me concentrer seulement sur l'histoire, les missions de l'histoire. Je vais même peut-être couper des morceaux entre les missions s'il faut farmer ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vais me concentrer sur l'histoire. Et petite parenthèse, si vous êtes intéressé sur Twitch, j'en fais beaucoup. J'ai déjà un personnage qui est assez augmenté. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, j'en fais beaucoup sur Twitch. Ma chaîne de Twitch est dans la description. Nous faisons de la coop à 4. En difficile, on a toujours du S, on essaye de récupérer des très bons drops, genre du doré, de l'unique, de l'épique. Enfin bref, donc nous allons commencer, nous allons créer notre nouveau survivant. Donc la cinématique va directement se lancer. Je vais montrer les options vite fait aussi. Donc je suis sur PC, je conseille de remapper beaucoup de choses. Personnellement, moi j'ai remappé. Bon, déjà, le jeu est calqué sur du QWERTY et pas du AZERTY direct, donc moi j'ai eu ça. Et après, en fait, il y a différentes choses, juste au cas où. Hein. Différentes choses, donc par exemple, les armes principales, secondaires, je les ai un peu changées, donc vous devriez regarder ça. Après, il y a aussi les paramètres de la caméra, la rapidité, il va falloir regarder ça. Bon, bien sûr, après, c'est vous qui voyez, hein, mais bon, voilà, je préfère le dire, parce qu'il y a quand même quelques trucs pas mal à changer. Et bien sûr, le jeu supporte très bien manette et clavier, donc vous pouvez en fait switcher l'un ou l'autre à n'importe quel moment, et moi, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, pour la base, j'utilise la manette, pour la conduite, j'utilise la manette, mais sinon, je joue au clavier à la souris. En tout cas, nous allons nous lancer.
last of the investigators. All right. Let's get started. One journey will end in purgatory, but let us pray that they who travel the depths of hell will this time reach paradise. This is the next one. No, not this one. Close, but not quite. Well, sir. Let me see that. Et nous commençons. On va faire une femme. Parce que j'ai un homme, donc je vais faire une femme. Bon, ça c'est toujours le problème. Le problème du nom. Tifa m'achète. Non, Tifa, on va... Juste Tifa, je sais pas. Je suis pas original. Donc voilà, Tifa, c'est très bien. Are you sure that this is the one, sir? Yeah. Thanks. Good to see you again. Forgive me for what I'm about to do. Cover me!
Et nous sommes à la création de notre personnage. J'aime bien que ça soit à chaque fois en fait séparé. Genre on crée le nom parce que le mec regarde, regarde la note. Puis après là on va voir notre personnage. Donc on va devoir créer notre personnage. Je dois dire que je vais pas prendre trop longtemps. On va pas s'éterniser. Parce que votre personnage va sûrement être avoir un casque, avoir un chapeau, avoir quelque chose, donc franchement c'est pas vraiment. On va dire que c'est pas vraiment un. On n'a pas besoin d'y passer 4 heures. Voilà, les joues. Pas mal ça. Ah, bien. La peau est jolie en fait dans Metal Gear, enfin The Phantom Pain, tout ça, MGO et tout. La peau des personnages est très très bien faite, je trouve. Après l'apparence de votre personnage, vous pouvez la changer, donc ça c'est pas. On va lui mettre une petite balafre quand même. Genre un snake. Vous pouvez la changer, il n'y a que le nom en fait que vous pouvez pas changer par contre. Ça faut bien le savoir. Copy. That's a negative. Enemy spotted. Hostile. I see one. Hostile. I see one. Let's go. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, il n'y a que le nom que vous pouvez pas changer, donc. Pensez-y bien, si vous faites une erreur, c'est mort, donc va falloir supprimer l'avatar et le recréer, donc pensez bien à ça. Voilà, c'est parfait. On continue avec la cinématique. Signal acquired. Collecting the package. Mm-hmm.
This is practically an obsession with you. Soon, you'll have faith in this one, too. This soldier is the traveler we've been waiting for. The one who will bear the punishment for our having strayed from the path of righteousness. You do like your poetic turns of phrase, don't you? But I'm not in the mood for them. I'll get straight to the point. I read the report. This one's infected. Yes. Which is what put the subject in suspended animation. But it won't be long before that ends. And then a threat to mankind becomes reality. That won't be the case. Why not? I told you, this soldier is a traveler. A traveler who is going to enter the gates of hell for us. What a ridiculous... Are you serious? After how long it's been since we've heard from the Corps? With the energy we have left, we don't even know if anyone we send would make it through. And you want to risk the fate of the section on this? An infected? That is why this one is the perfect candidate. This soldier cannot live in our world anymore. To put it another way, no one is more qualified to carry out a mission on the other side. Am I wrong? There's one other advantage that no one else has. Look at the left arm. It's just an arm. That arm was lost 6 months ago when it was severed. What? And yet, it regenerated. A result of the infection stimulating tissue growth. Nothing we haven't seen before. Except this time, we're talking about human tissue. Evidence of remarkable adaptation against the infection. With the dead running rampant on the other side, this one is more than capable of responding to the threats there. 1943, Philadelphia. Teleportation. That experiment gave us our first glimpse of the future. Now this soldier can give us everything we've been after ever since. All we've done is continue to fail, including 6 months ago. We cannot take a chance on ideas with no basis in reality. There is a basis for this. Those who have descended to hell are able to see further than others, Gruen. Another one of your prophecies. Enough of that nonsense. My proposal will bring glory to the section and to you. You intend to use this one as a test subject in the future, don't you? But any result of those efforts would be trivial. If this mission succeeds, the rewards will be immeasurable. Think of the research and how it's stagnant. Better yet, this could lead directly to the power that unites the world. I'll get the section on board. After all, you acting on your own authority would be unforgivable. I'll give you instructions in due course. Until then, do not take matters into your own hands. Don't take matters into my own hands, huh? How blissfully unaware they are. The future is in my hands.
understanding in detail the world beyond the wormholes. Abandon all hope from here on, not to mention fear and doubt. Your Beatrice is waiting up ahead. Better get going. As I mentioned in the briefing, first order of business is to head for base camp. Et nous y voilà. You'll need to procure all weapons and equipment on site for this mission. Same goes for food. To enter the gates of hell, you had to shed everything. Alors, par contre, pour tout ce qui est tutoriel. Your status over comms via the wormhole. Well, guess I never introduced myself. Call me Goodluck. Not a bad name for the pilot of this ship, huh? Your life is low. That's to be expected, though. You just came out of suspended animation. But if your life runs out, you'll just be another one of them. Keep an eye on it. Donc, tutoriaux, je vais les zapper et je vais tout simplement vous expliquer, en fait. Donc, nous avons notre vie et notre stamina. Donc, la vie, c'est en rouge, c'est le 1200. Enfin, les deux, c'est 1200. Et notre endurance, c'est en bas. On a le même système... On a le même système que The Phantom Pain et Metal Gear Online, donc vous approchez d'une edge en fait, vous allez pouvoir sauter, faire des actions, etc. Donc c'est le même système. Là pareil. Et vous allez pouvoir vous accrocher. Voilà, très simple. Alors là, je dois dire que cette scène qui va arriver... Ah tiens, on peut passer par là? Non. Je visite un peu pendant que je parle. Cette scène qui va arriver me rappelle... Si vous êtes comme moi, que vous êtes fan de jeux un peu d'horreur, genre tous les Resident Evil, vous allez adorer la scène qui suit. Elle est juste terrible. Allez, on y va. Mother base survivor? Hey, you okay? What did you do to him? Donc, il faut préciser que notre personnage ne parle pas. Et vous allez vite comprendre pourquoi en fait. Et voici notre zombie. Et ouh, ça devient le bordel. Il y en a partout. De munitions. Oh mon dieu. On peut en combattre quelques-uns par contre si vous voulez. Oh la vache.
Mais le mieux c'est de partir, il y en a trop. On n'a pas assez de munitions, on n'a pas assez de ressources. C'est vraiment ce moment-là est juste super, quoi. Rubs off on me. I just had to shoot my brothers. I'm not gonna die here, that's for sure. I've got a long list of questions for you. What are those things? Where are we? What happened to my unit? Tell me. I'll answer your questions. Who are you? The man you're talking to. If you need a name, call me Good Luck. And you? What do I call you? Name's Reeve. Of course. What's so funny? Nothing, forget it. Now, as promised, let me answer your other questions. The monsters you encountered are called Wanderers. I'll spare you the details, but they were once human like you and I, until they were infected by some unknown life form, which turned them into what you saw. And you were in a world destroyed by Wanderers. Welcome to D-Day. It exists in a dimension separate from your own. Unknown life form? Separate dimension? What kind of shit are you trying to pull? This is no joke. Whether you believe me or not, look around you. Clearly, you realize the predicament you're in. Which brings me to this. I want to give you an opportunity. Work with us. Do that, and I'll make sure you have a ticket out of there. We're your only lifeline. Surely you're not gonna turn that down. When this is over, I'm gonna send you to hell myself. I like that answer. Now, as before, head through those ruins to base camp. How you go about that is up to you and the captain. Captain? You mean this clown? You have an objection? We're the ones who went there to complete a mission in the first place. I didn't think you would have a problem taking orders from someone else. All right, whatever. Okay, I've got an idea. Like Good Luck said, we need to head to this base camp. But we have to make sure we don't bring any of those things with us. Luckily, I have some C4 an engineer in my unit was carrying. I'll go plant the C4. Meanwhile, you get on out of here and secure our escape route. All right, let's get this show on the road. Don't you run off without me, Captain. You'll be good to have around. But for now, you're not gonna leave without a weapon, are you? Craft something out of the materials around you. All sorts of things wash up in D-Day from other dimensions. You've got what you need. Now go ahead and craft the weapon. Alors, cette fois, on va pas être appelé boss, on va être appelé captain. On est le capitaine. Alors, l'histoire est un peu compliquée, on va dire, avec dimensions parallèles, etc. Beaucoup de questions au début.
Mais ne vous inquiétez pas, tout va être répondu vers la fin du jeu. On va tout comprendre ce qui se passe. Et c'est pas exactement ce qu'il nous montre au début. Donc voilà. Good luck a l'air de nous connaître aussi. A l'air de nous connaître. Il a l'air de connaître Reeve aussi. Ça aussi, ça va être répondu pourquoi. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et aussi ce que c'est tous ces errants. Donc, pendant tant que l'hydroïde fonctionne, parce qu'en fait il ne nous explique pas, mais plus tard vous allez comprendre pourquoi je dis ça, on a un cercle avec les points cardinaux et les menaces en fait. Donc vous voyez la bande blanche, c'est la menace. Si jamais il m'entend un peu plus, on va voir genre notice, donc ça veut dire qu'il a entendu quelque chose. Et si c'est rouge, ça veut dire que c'est qui m'a vu et qui m'attaque. Donc voilà, très très utile pour voir un peu derrière les murs, derrière les barricades, etc. Très très utile. On a toujours le même système pour ouvrir les portes. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si vous tapotez la touche d'action, quand vous crochetez une serrure, vous pouvez l'ouvrir plus rapidement. C'était pareil dans The Phantom Pain, et ça l'est toujours ici. Et voilà. Donc assez facile pour le moment. On apprend un peu par rapport à l'infiltration. Il y a énormément de choses à récupérer sur le sol aussi. Donc récupérez tout ce que vous trouvez. Ce sera des ressources pour plus tard, pour pouvoir crafter. Tout va être dans l'inventaire. Pour l'instant on l'a pas, mais on le montrera après. En gros, là, pour l'instant, on est dans un tutoriel avancé. Mais j'aime bien parce que ce tutoriel est assez facile. Pas facile, en fait, à comprendre, mais va bien avec l'action. Voilà, on n'est pas bloqué. Rien. Si vous avez remarqué aussi, Reeve, il a des... Son équipement, c'est un XOF. Il fait partie des méchants, en fait. Nous sommes militaires sans frontières. MSF. Parce que Diamond Dogs n'existe pas encore. Donc on fait toujours partie de MSF. Et lui c'est un XOF, mais pour le moment, bon, on travaille ensemble. Et bienvenue dans Metal Gear Survive.